Malgré les discours du président de région, les déplacements des ministres en Guadeloupe, les associations ne sont toujours pas convaincues des projets annoncés. Les problèmes qui s'accumulent dans l'archipel, ce sont plusieurs collectifs et associations qui vont se réunir pour mettre en place un plan d'action qui devrait sensibiliser les citoyens. Les gens là, si nous on vide comme ça, c'est bien parce que les représentants politiques qui sont en Guadeloupe, ils sont couchés, ils ne peuvent pas répondre. Et donc nous rassembler pour faire le peuple comprendre que c'est son combat, nous pouvons mener tout seul malgré nos 30 organisations, pour le peuple Guadeloupe comprendre que faut y vivre, faut estimer je ne peux pas accepter l'inacceptable. Les gens là, nous avons un véritable problème, problème de santé, pas de l'hôpital, pas ni de l'eau, ou ni chlordécone, tu es empoisonné, pas de l'école, le cas du jour, tu passes l'examen parce que ni chlordécone, pas de l'école parce que pas ni de l'eau, pour le marat, ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter de tels bitins là dans un pays comme Guadeloupe. Donc nous, à donc premier temps, c'était déjà de sembler nous, continuer à faire information passer pour le peuple à bien comprendre, aille dans les quartiers, aille dans les coins, et à un moment donné, nous sommes obligés de mettre en véritable riposte, mobilisation offensive en place, et l'ensemble des Guadeloupéens, toute qualité sans condition, hein, puisque qui est traité là, qui petit là, qui actif là, tout le monde a vraiment mis en pays, la chômeur là aussi, alors nous sommes tout le monde pour nous démontrer l'État français justement, que nous pas pions aille, nous peut lever debout et aussi démontrer les politiques Guadeloupe que si on a un mandat, c'est bien pour représenter le pays, la lèvre pays, la vivre, qui a subi des moments difficiles comme ça. On peut pas dire mon ministre qui a vu, nous faisons confiance de poste à l'aéroport, on peut pas faire une déclaration télé pour expliquer la situation là. On peut venir pour juste dire que on peut mettre les moyens, quels moyens pour nous ramasser ça dans les 40 scooters. Ça, c'est du foot gueule à la société en nous. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Vous savez, depuis que Macron est élu, je de là, c'est fou, nous peut compter. C'est plus de 10 ministres qui j'avais notre Guadeloupe et Saint-Martin. Et rien pour démarrer. Ni les aides que les agriculteurs de attendent par rapport à cyclone, ni la reconstruction à Saint-Martin par rapport à cyclone, et ni les problèmes véritables qui ont pays Guadeloupe, malgré les ministres qui viennent, rien pas à régler. Alors, à pas présent, son monde qui a fait nous payer, justement, nous pas payer ça encore, et nous que démontrer monde que nous sommes là pour nous aider, mais nous que toucher là pour nous toucher là, et nous capables de régler le problème à nous, avec les organisations et avec le peuple Guadeloupe.